De ce tournage-là, quoi, c'est le même que pour. Il faut savoir se concentrer de beaucoup. Après, voilà, il y avait des séquences là dans ce film qui à l'époque ne pouvaient pas être. Si je les mettais dans le film, Jean-Marc y retournait droit en prison. Notamment la séquence avec Monsieur Ciné, parce que Jean-Marc n'avait pas le droit d'évoquer pendant tout le premier film toutes choses ayant une relation avec les choses pour lesquelles il avait été condamné. Et d'ailleurs, il y avait eu une ou deux fois des choses un peu malheureuses dans l'Express, et tout de suite, ils l'ont renvoyé en prison. Donc c'est des chutes, ouais, c'est des séquences qui... Et puis après, de toute façon, comme dans tous les films, enfin, des fois, t'as des super trucs, mais ça rentre pas dans le film, quoi. Alors tu peux les faire rentrer, tu peux toujours mettre plus, mais ça devient du bourrage, quoi, tu vois. Et donc, moi, ça m'est arrivé souvent hein, de faire des films et d'avoir des... super séquence, j'arrivais pas à les mettre. Ça a été le cas pour Najak, quoi. On pouvait pas tout. Et voilà. Et là, c'était ça, et c'était dommage quand même de laisser ça à la poubelle, quoi. Et je comprends mieux pourquoi. Donc on a fait les poubelles, quoi. Et puis on a fait le film avec, quoi. Il y a beaucoup plus la parole à Jean-Marc Rouillon, effectivement, dans celui-ci que dans Faut savoir se contenter beaucoup. C'est l'explication, en fait. C'est la seule explication. Okay. Jean-Marc, quand on s'est rencontrés, il avait encore. Deux ou trois ans, quatre ans de conditionnel. Et si il évoquait publiquement, enfin dans les médias en tout cas, la moindre chose qui est affaire à action directe, enfin et aux actes pour lesquels il avait été condamné, en partant en taule directe. Voilà. Moi, quand on a fait le film, c'était ma première préoccupation, quoi. Ça m'aurait fait chier d'envoyer Jean-Marc en taule, quoi. Mais voilà, quoi. Puis après, bon, ben. Après, c'est Noël qui va raconter. Ben, il arrive qu'on préfère les poubelles à l'original, c'est mon cas. C'est bien. Je m'étais retrouvé dans l'autre film, dans la vie, il faut se contenter de beaucoup. Il faut savoir se contenter de beaucoup. Il faut savoir se contenter de beaucoup. Mais en fait, comme on ne pouvait plus évoquer le passé de gentleman activiste de Jean-Marc, il n'était pas question non plus d'évoquer le mien de tueur à gac. Dès lors, nous voilà des personnages de Jean-Ri Meunier, et j'ai eu l'impression de me retrouver dans un film poético-allégorique polonais des années 60, ressemblant aux autres films de Jean-Ri. En fait, quand j'ai découvert le résultat, j'avoue que j'étais décontenancé de chagrin. Totalement. Je ne me retrouvais pas là-dedans, mais j'avais pas pu être moi-même, Jean-Marc non plus. Vous étiez parfaitement vous-même déjà. Là, ça fait merci Jean, merci. C'est l'historien des vergondés, Jean-Pierre Bouixou, qui vous parle. Encore plus formidable. Ça m'a fait aussi penser qu'il fallait mettre parfois le doigt sur l'importance inouïe d'un monteur. C'est pas le même monteur, hein. C'est pareil. Pour Chute Libre, c'est pas vraiment le même monteur. Si, c'est les mêmes. C'est les mêmes monteurs. Alors, un monteur, peut-être dans un état narcotique, ou dans un état déchaîné, paroxystique. C'est le même cinéaste aussi. Hein. Un cinéaste aussi, oui, totalement. Moi, je me demandais, il y a un petit personnage que je connais pas du tout, le petit Allemand moustachu avec des lunettes. L'Allemand moustachu est le dernier représentant belge vivant de la bande à Bader. Ah, voilà. Il sortait de tôle, lui aussi. Ron Augustine. Comment s'appelle-t-il ? Ron Augustin. Augustine. C'est le nom qui est au générique. Du coup, c'était
c'est de l'impro aussi, avec les mots dans le tramway, Ah, dans le tramway, c'est de la pure impro, hein. On était là pour voyager, pour changer de décor, et on est monté avec Noël, et il y avait ces deux galopas là, très marrants, et ça a donné cette scène, mais ça c'est de la pure impro, ça c'est un cadeau quoi. Ça, c'est quand on filme dans le réel, quoi, tous les cadeaux qu'on peut recevoir. Il y a un autre cadeau dans le film, je ne m'en étais pas rendu compte à une première vision, c'est l'histoire de Où. Il me dit quelque chose, bah, je dis Où. Il croit que je dis Où ça. Confusion burlesque. La première séquence, c'est des dessins à la mine de plomb, qui sont absolument magnifiques. Leur taille réelle, ça doit faire à peu près ça, quoi, tu vois, comme ça, là. Et il y en avait toute une exposition. Alors ça, c'est la première fois où Noël et Jean-Marc, enfin, où on s'est tous rencontrés, c'était à Saint-Étienne. C'est organisé par une association qui s'appelle La Gueule Noire. C'est là où on a tourné toutes les scènes dans le musée de la mine, enfin... à Saint-Étienne, et en fait, ça, c'est les dessins de Marie-Claire Corda, une amie de Jean-Marc. Mieux qu'une amie, petite amie. Oui, qui a eu aussi, oui. Pardon. Et à la mine de plomb, c'est très beau, quoi. Très, très beau, et effectivement, bon, c'est une fille qui a fait les Beaux-Arts, là, je crois travailler avec Covidi, enfin, avec plein de gens. Mais l'œuvre qu'elle a, là, donc ses dessins à la mine de plomb et des périodes de lutte armée, il n'y a pas beaucoup de galeries qui osent les projeter, quoi, les montrer. Quoi. Mais c'est très très beau en réalité, vraiment, hein, c'est des super dessins et toutes ont été tirées de l'actualité, quoi, de photos prises pour la... Enfin, et elle a redessiné, quoi, à la mine de plomb. Tu parlais donc de ça ou de la claqueuse de poulet? Ben, c'est la même fille. Ouais, c'est la même. D'accord. C'est Marie-Claire Corda. Performeuse, artiste, dessinatrice, tout ça, quoi, voilà, quoi. Et elle était là à Saint-Étienne, et comme c'était la première fois qu'on se rencontrait avec Noël et Jean-Marc, enfin, voilà, quoi. Et c'était le lieu où on se rencontrait, l'association La Gueule Noire. J'avais filmé son expo parce que je trouvais ça très beau, quoi, tout simplement. Et viva les Gueules Noires! Ben, Gloup Gloup, c'est le cri de guerre de Georges Ledoupier, l'entarteur déchaîné créé par Jean-Pierre Bouixou. Et Boum Boum, c'est le cri de guerre de Jean-Marc Rouillant. À l'improvisation, enfin, c'est, voilà, le film il semble très écrit dans... même la photographie très léchée. Comment vous avez travaillé? Quelles sont peut-être vos références? Parce que quand on a vu le film, l'équipe de programmation, on a pensé à Wedding Refn, à des références comme celle-ci. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet? Oui, il y a des références. Il y a effectivement des références de Wedding Refn. Il y en a pas mal de Wong Kar-wai. Et de Godard, notamment pour moi, À bout de souffle, qui ont vraiment été des manières de monter, de découper tout ça. Très grande référence, ça se voit bien. Et après, au niveau de la photographie, je voulais des lumières que je puisse filmer. Je voulais, d'une part, pas avoir un énorme stock de lumières à me trimballer sur les différents lieux. Donc j'ai fait en sorte, parce que j'ai fait les décors du film, c'est important pour moi. Et plus facile aussi que de l'expliquer à quelqu'un, de faire des compromis. Sur ça, je n'en voulais pas du tout. Donc j'ai placé toutes mes lumières et avec un bon directeur photo, une fois sur le tournage, on a fait ressortir tout ce qu'il fallait montrer à la caméra. Et voilà, c'était tout. Après oui, c'est assez écrit. Il n'y a pas beaucoup de dialogue.
les records de voix off ont été revus après en post-production. Il y a quelques scènes d'improvisation. Des scènes notamment où monsieur est avec la petite brune dans l'appartement, où ça, c'est improvisé. Ouais. Il y avait des grandes lignes écrites sur le scénario, mais je préférais laisser les comédiens le faire comme ils le sentaient. Et la scène d'amour aussi, qui n'était pas du tout prévue. Mais je trouvais ça... Bah, à l'écriture, je ne trouvais pas ça obligatoire, mais sur le tournage, je me suis dit, pourquoi pas demander. Puis ce serait sympa de voir si tout le monde accepterait. Et la fin. La fin aussi, elle a été complètement changée. C'était arrivé à un moment donné au montage où... où ça partait vraiment dans une autre direction, je me suis dit non, on s'en fout de ce qui arrive à son personnage, il faut passer à autre chose et se concentrer sur le personnage de la fille qui porte les perruques. Enfin, parce qu'aucun des personnages n'a de nom en fait, c'était drôle. Et au sujet de la bande-son, parce que ce soit dans Amor ou dans La Forêt de l'Espace, l'univers sonore est quand même très important. Comment vous avez travaillé sur ce point, sur votre film, et puis aussi sur La Forêt de l'Espace. Tu peux répondre en premier ? Vas-y. Pour le son, j'ai travaillé avec le compositeur de façon assez simple, je vous donnais des références. Au montage, je plaçais des bouts de musique qui me faisaient envie. Et lui retravaillait tout ça de son côté avec son propre modèle aspiratoire qui est son cerveau. Et il me ressortait des samples, des bouts. Au moins, je repassais sur la timeline. Je revenais recaler un peu l'image et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on arrivait à quelque chose, on n'avait plus besoin d'y toucher. Et ça calait parfaitement. Donc, il avait vu les images, le compositeur, avant de composer Oui. Oui. Parce que c'est la question, on avait une table ronde tout à l'heure, musique et cinéma, justement, avec Zombie et Sébastien Marnier. Il y a différentes manières de travailler, ou des compositeurs parfois... Mais en hommage à tous les guilleurs et gredins qui constellent ce festival, je propose un collectif boum boum gloup gloup, boum boum gloup gloup, encore une fois, boum boum gloup gloup.
rappelles pas tes courriers à toi que tu m'envoyais? Oh, mais c'était pas aussi bien que ça. Et puis, il y a ça. C'est pas mal, hein? C'est l'heure, c'est l'heure. Je vérifiais. Je vérifiais si vous étiez dans les délais. 5 pastis, il a 17h, l'heure du dernier. Absolument, il y a quelques années. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Un personnage bagnolesque. Qui? Que tu es. Je le prends comme un compliment. Ah ben, il le faut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Vous allez au taquin? Bon. On ira au taquin. C'était bien. Oui, on laisse. Vous les roches. J'ai fait des roches. Oui, un peu, oui. Belin ne devait pas venir. C'est pas un miroir là, Pierre. 100%. Lily. Le DJ il s'est arrêté par les filles. Lily, bravo pour tes marionnettes. Là où les sont installés, on a entendu. Notre conversation s'est coupée. Oui, on va voir les jeunes. Et tout le monde se demande, oh, ça va loin, c'est bien. Et puis, ça. Ça, ça alors du... très mauvais. Bravo, bravo. C'est tout à fait au, au point. On a vu que les débuts, hein. Ouais. On a vu quand même la première de bière. Je le connaissais. Oui, bah, c'est la première de bière. C'est bien, vous êtes un peu plus avant la fin. C'est... Ça ne dure pas très longtemps. Hein. Les effets scéniques sont réussis. Tout s'enchaîne. Sans... Alors, le texte de base, comme ça. Et le dernier qu'il a fait, qui a été sabordé par la presse en France, qui s'appelle le distributeur, regardez le titre anglais, en 2000 qui rentre, avec Monica Bellucci. Le dernier film de Kusturica, il a été boycotté par la presse en France. Complètement, il n'y a pas ni Le Monde, ni Libé. Pourquoi? Et les gars, à ton avis, parce qu'il est politiquement pas correct. Oh putain, c'est dingue. Encore aujourd'hui, les mecs, ils sont... Ah, plus qu'aujourd'hui. Ah ben, plus pire que jamais. Encore pire que jamais. Non, mais plus que jamais. Dans la mesure où, en plus, il dit qu'il aime Poutine, là, c'est... Kusturica, il doit être étonnant. Pepe Morica, il doit être génial dans le film. Parce que tout ce que j'ai vu de lui, c'est à tomber, quoi. Le mec, il est imparable, quoi. Il est trop beau, quoi. Il est trop vrai, quoi. Bah oui. Avec sa petite coccinelle, son chien à trois pattes. Son vieux tracteur, c'est Morica. Incroyable. Il y a ce plan, à un moment, le mec, une lunette de chiotte, tu sais, il va à la quincaillerie du coin, il va acheter sa lunette pour changer pour les chiottes. Ah mais... Elle était inquiète. Hein. Président d'Uruguay. Il y a... Ah, il y en a quatre maintenant. Vous avez converti. Bravo pour la conversion. Tu l'as donné le biberon. Je m'en réjouis, Jean-Marc. Le biberon.
après c'est un choix. Et le réalisateur, Pierre Cam commence ça. Le film qu'il avait fait un an après Easy Rider. Ils l'ont passé sur Arte, The Last Movie. C'est un film qui a été enterré 50 ans par les studios, par Universal à l'époque. Ils ont donné un an après la sortie à peu près d'Easy Rider. Et je suppose que Dennis Hopper, il était assez barré à cette époque-là. Et ils lui ont donné une carte blanche totale. Paraît-il, ça n'avait jamais existé qu'un studio donne une carte blanche à un réalisateur pour son deuxième film. Un gars de à peine la trentaine, quoi, tu vois. Et il a fait ce film, The Last Movie, mais c'est incroyable. C'est 10 fois plus délirant qu'Easy Rider, quoi. Il est 10 fois plus allumé, le film. Ah, il cherche à le voir, Serge. C'est allumé total. Une opération à Lyon en Espagne, surtout à côté d'un mec qui ressemble à Tony Chambon. Il se très très bien. C'est moi, je suis arrivé avec 9 côtes cassées. Il aurait été très cool. Moi, je me suis cassé la gueule le dimanche matin à 1h du matin. Avec la mobilette. Avec 9 côtes cassées et la clavicule. Le mardi matin à 8h, je partais en Espagne. Je fais 10 heures de route. Alors que la veille, les mecs m'ont dit, bah vous c'est simple, à partir de maintenant, c'est 8 semaines d'immobilité totale. Et je dis, ah non d'accord, moi, demain matin je pars en Espagne. Un an avant, on avait fait un film avec les pinks à chiens, quoi. Il faut quand même être un peu en accord avec soi-même, quoi. T'as vu qui c'est qui fouille à l'entrée? C'est tout, quoi, merde. T'as vu le mec à l'entrée qui fouille, ton beurre? Ben, c'est incroyable, j'ai... Ni en beurre, ni en bloc, mais les... Paf, il a un coup. Ah non, non, tu recommences. Ah non, mais je peux pas, je suis pas acteur, man. J'ai juste... Et vas-y, là, allez. Non, j'ai juste un petit artisan qui pose des cailloux de temps en temps, genre du cinéma, mais je peux pas réimproviser, là. C'est avec le cœur que je le disais que j'ai les boules, tu vois. C'est vrai, on est dans un festival bobo, quoi. Déjà, les mecs, ils se permettent, en compétition à Groland, de prendre des films qui étaient en compétition à Cannes. Là, déjà là, tu te dis, les mecs, ils n'ont rien compris à l'esprit grolandais. C'est sûr que c'est pas Raymond Defossé qui aurait pris des films en sélection à Cannes qui étaient, tu vois, en compétition, quoi. Faut en parler à Benoît, là. Mais Benoît, il y est pour rien. C'est les bobos toulousains. Benoît, il est génial. Benoît et Gus, ils sont au-delà de ça, en dehors de ça. Hein? C'est lui qui a tout organisé. Où tu vas, Noël? Dans ton pieu. J'ai fait des recherches à 11h du matin pour le professionnel, les images supermènes. C'était quoi son directeur? LSD, non mais c'est lui le directeur de la photo sur LSD. Alors là, tu voulais parler de ce cher Amédée, de Louis Félix. Le très très cher Amédée était un grand farceur. Il aimait entrer dans les boucheries. Il demandait du jambon. Alors le boucher prenait le jambon, le mettait sur l'appareil et disait « Allez-y, allez-y au boucher. » Alors les tranches de jambon défilaient
Et le boucher disait encore, continuez. Il continuait, les tranches continuaient à défiler. Ils font leur vie. Et puis le boucher disait encore. Oui, oui, je vous dirai quand on s'arrêtera. Les tranches continuaient à déferler quand Médée s'écriait tout d'un coup « Celle-là !» J'ai une super nouvelle pour vous. Oh, c'est J.O. qui paye. Combien? Non. Il paye tout. Non. Si. Ah ouais, on s'en bah alors, t'es plus tricard, là. La tournée générale, alors. Il y a de l'absinthe. Ah si, il a dit « Je regrette ». Je regrette profondément et je vais vous payer la tournée. Ah. C'est pas possible, il va nous arriver une grosse catastrophe. Mais c'est ce fameux mec que je connais sous le nom d'Obé et que c'est J.O. et qu'il a très peur. Il dit « je suis menacé ». Donc... Jean-Marc. Vous pouvez l'applaudir. On le garde. Et Jean-Marc Royon chaud. C'est ce mec-là que je connais à peine, que je connais sous le nom de Obé. Obé, c'est le tampon génique. Obé, voilà, c'est ça. C'est, tu vois, c'est... C'était le concurrent de Tompax. Mais j'aurais dû l'appeler Tompax. Et Tompax, vous laissez dans Cinéma Montréal. Non, mais sans blague, Tompax. Moi, je crois que ça existe plus. Ça correspond exactement. C'est pas dans le cul que c'est sur les... Obé. Oui, non, mais ça dépend de quel... Mais je crois que ça existe plus. Ouais, ma mère, elle imagine. Elle imagine. Noël, tu vois ici, alors que les gens font de la fête sans savoir ce qui se passait ici, c'est le théâtre de l'immigration de la communauté réfugiée espagnole à Toulouse. En quelle année? Ah, mais ça, c'est l'après-guerre, c'est les années 50, 60. Alors quand toutes nos petites communes de copines de la communauté venaient danser le flamenco le dimanche après-midi ici. Et il y a eu une histoire très très amusante qu'on m'a racontée, parce que moi je ne l'ai pas vécu. Donc c'est en descendant la cave, en réparant l'électricité, il y a quelqu'un, il est tombé sur le tas de charbon, il a dit « ce tas de charbon est un peu dur ». Et dessous, il y avait un stock d'armes qui appartenait au Parti Socialiste Espagnol. Donc les anarchistes, ils ont dit, eux, ils n'en feront jamais rien. Et donc, ils ont débarrassé la cave de toutes les caisses d'armes. Quelle sorte d'armes? Des Sten, bien sûr, des mitraillettes Sten qui nous ont servi après à Barcelone. Voilà. Et c'est tout parti dans un sidecar, là, dans cette cour. Et t'as toute cette cour, là, tu vois, c'est plein de mémoires de gens qui se sont croisés de la communauté antifranquiste, de l'époque antifranquiste, et maintenant c'est une institution merdique, de cinématographique, de merde. C'est devenu ça. Allons trinquer à ces mitraillettes, à ce seuil de car, comme tu dis, et à ce beau moment où on osait tout transmuter. C'est pas ça, Laura. Il est piégé. Très belle histoire. Donc je vais rien vous raconter sur le film, sauf que c'est absolument n'importe quoi comme d'habitude. Non mais c'est Brigitte Fontaine, on est amoureux de Brigitte Fontaine depuis le début. Sauf que dans le grand soir, on l'avait fait pisser un chariot à fromage sur un parking, mais à la fois ça nous faisait rire, mais à la fois on faisait une pitié. C'est pas bon. Pas génial par rapport à tout ce qu'on aime, même sa façon d'être, ses poésies, ses chansons. On s'est dit, ah merde, nous, tout ce qu'on aura laissé, c'est elle en train de pousser un chariot à fond. Donc, en réfléchissant, comme on a fondé notre société No Money Production, bah
et que malheureusement des fois on gagne de l'argent, et ben on s'est dit bon, autant gagner cet argent diabolique en faisant un film. Vous allez le voir, écoute. Mais sauf que c'est pas le film tel qu'il va être. Là, c'est vraiment carrément, c'est le. Enfin, je dirais, non, mais quasiment. C'est un espèce d'ours de pré-montage. Mais je ne vais pas vous. Oui, non, mais carrément, là, c'est même plus. International. Non, universel. Galactique. En universel. Ouais, voilà. Non mais c'est une catastrophe galactique. J'ai demandé quand même au gars qui est au volume de mettre le son à fond parce que en fait il n'y a pas de mix, c'est une catastrophe du début à la fin. L'auteur. C'est génial. Bravo. Vraiment. Un des grands films totalement fou de l'histoire du cinéma. Vraiment. Montrez mes signes. Non, mais je sais pas. C'est mimi. Non, mais j'ai fait trop génial. Je sais pas, on a tout. On a fait ça en quelques jours. Avec une super 8 et tout. Très bien. Mais c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien le cinoche. Ouais, voilà. Et un grand merci à Yann Péchin qui est. Le guitariste de Bachung et tout. Mais je peux vous raconter ça parce que, en fait, Brigitte, on est allé à Morlaix parce qu'elle est de Morlaix, mais aussi parce qu'elle faisait un concert à Morlaix, donc on s'est débrouillé pour faire le tournage à ce moment-là. Et sauf qu'elle était malade, ça n'allait pas. Et donc, elle a annulé le concert. Mais Yann Péchin, qui est son guitariste, musicien en ce moment, il nous a dit, de toute façon, allez, dites-moi, qu'est-ce que c'est le film? Et non, mais c'était dingue, quoi. On était là, on attendait pour tourner, quoi, avec la caméra. Et lui, il nous a dit, on lui disait, tiens, des vaches, on lui disait, tiens, ça, on lui racontait le scénario. Il était là, mais vraiment seulement sur inspiration, enfin, c'est extraordinaire, cette musique, elle est extraordinaire. C'est formidable. Et c'était que de la musique pendant la répète dans la salle de Morlaix, voilà, on était tout seul, et là, y aller, et c'était tellement, enfin, après, quand on a fait le pré-montage, j'étais trop heureux d'avoir cette musique qui accompagne l'ensemble, mais... N'en parlez pas sur Internet, je sais pas quoi, parce que Brigitte n'a toujours pas vu, et nous, c'est notre... Non, mais on a tellement peur qu'elle aime pas, parce qu'elle est capable de... Merci, ouais. Non, mais elle est incapable. Je n'ai pas la rencontre. Cet été, en juin, mais... Mais même, elle était malade et tout, donc bref, on peut pas. J'ai osé lui dire qu'il y avait une doublure dans le film, parce que c'est, elle pouvait pas tourner, donc nous on était là, il faut tourner. Enfin, et donc il y a une fille extraordinaire. À quel moment? Tu sais, t'as prévu 5 jours de tournage, mais un jour sur deux, elle pouvait pas tourner. Donc, mais bon, c'est comme ça. Elle se sentait pas, elle était. On a trouvé une fille extraordinaire qui était une vendeuse dans une librairie de Morlaix qui lui ressemblait, qui était fine comme elle et qui adorait ce qu'elle faisait. Et donc qui a fait la doublure de dos de temps en temps. J'ai osé l'avouer la semaine dernière. On a dû prendre une doublure.
Mais dehors, je sais ce que c'est que le cinéma. Enfin, parce que, non. Mais bon, j'ose espérer qu'elle sera heureuse du film. Je pense. Alors, du coup, maintenant, Benoît, vous faites des doublures. Vous prenez des doublures pour vos films, alors. Ah, bon. Bon, mais nous, c'est moins intéressant. Mais franchement, quel bonheur de rencontrer cette femme et toute sa poésie. Et, vraiment, enfin, c'est vraiment la moitié du film, c'est elle, sur les textes. Et les textes aussi. Les textes. Les textes. On a choisi son texte. Elle est d'accord avec les textes, c'est carrément le film, quoi. Comme avec Welbeck, on a fait une des experts. Mais là, non, là, on est tellement amoureux de rentrer dans le film. Très très bien. Et t'as vu le Super 8, c'est... On entend pas. Ça colle parfaitement. Le Super 8, mais ça colle parfaitement. Faut le laisser. La poésie, en fait. Faut le laisser comme ça. Ouais. Ah oui. J'ai même pas envie de changer. J'ai même pas envie de... Le micro. Après, ça va devenir... On va profiter. Le mieux et le mieux bien. On adore vraiment. Et ça, c'est grâce à Noël aussi, avec son coup de poutre à la lèvre. Et bande de cons. Bande de cons, le Roland Léther. Vous dédiez le Roland Léther. Et une grande actrice est née dans le film, c'est la Tartapulte. Le film fait plaisir. C'est parce que ça a un côté... Je sais pas, il y a des dessinateurs de BD qui ont... C'est donc dépassé sur sa gauche. C'est vrai. Non mais attends, je suis content que tu sois content. Descente de coude. Et vous trouvez ça drôle. Ah voilà. Je remercie. Tu l'as de mon goût. Merci beaucoup.
caméra pour les coloscopies. Bonjour, bonjour. Tout chouette, n'est-ce pas, Manu? Oh,
content de te voir un peu. En vrai. J'ai déjà manqué vivrement. Dessiné en fait. Je travaillais ce matin. Je travaillais. Et ouais. Je suis victime du système capitaliste. Gérard. Tu sais que Groland est un pays... Il faut savoir arrêter un film, Gérard. Groland est un pays capitaliste maintenant. Hein. Ah, depuis la disparition ouais. du président. Remplacé par un dictateur. Mais en même temps, un dictateur, ça a quelque chose de reposant. Oui. Il prend toutes les décisions pour toi. T'es un peu comme dans un EHPAD. Une dictature, c'est un peu un gros EHPAD. On s'occupe de toi, on pense pour toi. Une dictature, ça repose. Voilà. Autrement. Noël Godin, mesdames et messieurs. on ne peut mieux dire. Voilà. Tu as vu le film Le Général Amine Dada. Non, je voulais le voir, mais j'ai pas eu le temps. Mais ça repasse. Hilarant. Ça, je veux absolument le voir. Ça repasse dimanche. Et tu t'imagines dans le rôle de Jean Dujardin, le rôle dictatorial, toi ? Oh non, ça doit être épuisant, ça. Oui, bien, bien certainement. Parce que si ton peuple ne pense pas, il faut penser pour lui, c'est compliqué. Oui, tu ne t'imagines pas pensant... J'ai déjà du mal à penser pour moi, alors par exemple. Je me demande si Jean-Pierre ne fait pas un discours. Ah. Non. Ah mais non, il a pas fait notre Je crois qu'il nous aurait prévu avant quand même de faire des choses. Quand tu remontes au travail, les premières pochettes dessinées, je crois, des mémoires, alors, fin des années 20, début des années 30. C'est pas la même chose. Mais ça existe encore les enregistrements. Oui, sur justement des petits labels, tu vois, des mecs qui travaillent sur tout ce qui est africain, des groupes obscurs américains, etc. C'est des petits labels, les mecs qui tirent à 500 exemplaires, ils veulent ils trouvent les bandes les trois quarts du temps et ils reproduisent tel que c'était produit à l'origine. Ça, les mecs, ils font vraiment le travail. Bon, après, tu as un deuxième travail, alors qui est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus d'années pour avoir le matériel. Par exemple, un truc qui va sortir en octobre, sur les premiers enregistrements de Muddy Waters. Tout le monde connaît Muddy Waters. Il est enregistré en 41-42 par Alain Lomax, notre ethnomusicologue qui travaillait pour la LOC, la Library of Congress de Washington. Et le truc là, si tu veux, c'est qu'il y a eu une pénurie, enfin il n'y avait pas de pénurie, mais l'aluminium et le cuivre, tous ces matériaux étaient gardés pour le militaire, pour la tempête de guerre. On allait rentrer en pleine guerre. Donc les mecs, du coup les mecs qui gardaient ce truc là, ils ont gravé sur verre. C'est-à-dire que le premier support c'est du verre, et un galva qui passe par-dessus. Il y a 4-5 caisses qui existent. Ils en ont retrouvé une. Et là, ils ne peuvent pas le faire au niveau analogique parce que les bandes sont un peu abîmées, donc ils sont passés sur des procédés numériques de très haute qualité pour le reproduire à 80% en analogique derrière. Donc tu vas avoir un disque qui va avoir une qualité d'écoute comme on a rarement eu, tu vois, mais vraiment, mais ça s'appelle vraiment en analogique. Voilà, il y a des procédés numériques qui sont très proches de l'analogique, mais par contre, quand tu veux mettre ton disque, tu vas écouter Muddy Waters, tu n'as jamais entendu Muddy Waters. De moi j'ai des craquements, j'ai des trucs, mais les belles éditions ça craque, etc. Là on va pouvoir avoir un jeu fluide, comme Charlie Patton, le premier disque qui était sorti, c'est un français qui sort ça, le mec il a nettoyé les bandes et tout, il sort Charlie Patton, comme jamais tu l'as entendu, tu l'entends tricoter, d'habitude c'est un bruit de fond, tu sais. Charlie Patton c'est le premier bluesman rock'n'roll, parce que c'est le punk avant l'heure, le mec il se bourrait la gueule, se frappe avec tout le monde, la guitare là, il mordait les cordes, il en dit comme ça. Moi qui me gueule. Ah ouais, au début du siècle, c'est lui. Moi, je ne connais rien du tout. Je garderai cette image de toi de sang. J'entends tricoter. Ah ouais, mais là, tu l'entends tricoter, en fait. T'entends oui, mais quand tu dis ça... C'est super, parce qu'on l'entendait pas. On entendait dans ma tête. On sentait bien l'ambiance, etc. Et tout. Mais que le mec, il faisait un peu vrai, ça va. Génial.
Et les gens connaissent pas, mais Charlie Patton, c'est avant Son House, avant Robert Johnson, etc. Et tout, c'est ce mec qui était un vrai homme, qui a fait rock'n'roll avant l'heure. On n'est pas tous dépaysés dans tout ça, dans Toulouse, dans le Prolab, dans cette boutique. Par ce drôle d'énergumène là qui nous filme dans tous les coins. Là, vous n'avez pas fini avec lui. Tu peux te joindre? Non, mais... je vais gâcher. Genre avec ma casquette de dictateur, c'est ouvert, c'est parce qu'il a un hyper grand temps, là, il prend tout le monde. Ouais, c'est ça. Manu, j'étais en train de me demander ce que c'était comme... Non. Pour voir si petit. Je crois qu'on est... Oui. On est servi. Je le crains, l'envoyeur. C'est un de mes acteurs depuis 1982. Ouais, j'ai vu ça. C'est Morgine. C'est t'avais des abdos à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est malin, tiens. Je les ai jamais connus. C'est un petit. Bon, il n'y a pas grand monde. Bon, j'ai mon chaud. C'est ça, c'est que tout de suite. Bon, les miens, c'est pareil. Avec la bière, les abdos, ça ne dure pas longtemps en fait. C'est hyper stressant pour toi. Je suis comme un médecin qui ausculte. L'endroit est bien, super bien accueilli, des gens agréables, voilà, il n'y a pas d'a priori sur les trucs et tout. Moi j'aime ces gens-là. J'aime vraiment. Ouais. On a fait quelques collaborations ensemble et tout. C'est vraiment, je les aime beaucoup. Ah, tu leur diras, hein, monsieur Fassi. Ouais, on les voit, ouais. Bah, tu leur diras, je suis hyper content. Ah, bah. De l'ambiance générale, pour moi, c'était le rêve. Ouais, toutes les chaises étaient prises et tout. Il n'y avait plus rien à bouffer. Même. Ah merde! Non, mais c'était vraiment cool. J'ai appris. J'étais là hier soir, ouais. C'était un bon moment pour baptiser le prémontage dans ce tournoi. J'ai appris ça. Ben, ils vont être heureux, on va leur dire, on va leur faire un petit message, ils vont être contents. C'est un petit retour à l'habitat. Un peu, ouais. T'as acheté une oreille, c'est bon. Tout ça n'est pas très bon. Mais tu vas voir, il y a la double album demain. Bon, ça va, ça va. Oui, ça va. Moi, je le trouve. Ça va. Mais c'est quoi ton appareil là, c'est magique, sur les casques et tout là, c'est comme une GoPro, sauf que c'est pas la marque GoPro, ça s'appelle Eagle 4K. Oui, c'est un très grand temps. Mais elle est pareille dans le temps. Tu te rappelles pas, c'est que tu avais déjà les images préfaites. Tu sais, ça ressemblait à une petite caméra. Tout est net, tu veux. Il n'y a pas de problème de mise au point, tu vois. Ah ouais, ça c'est bien. Ça, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour la robotisation. Hein. T'as pas besoin de pointeur. Ouais, pas besoin de pointeur. Hein. Ça change tout. Un ami en moins, certes, mais... Oui, un ami d'ailleurs. Eh ben si, calme-moi toi. Tu sais, le gros avantage quand tu fais une coloscopie, c'est que tu dors. Que alors qu'avec un courant, tu dors. Si tu restes avec la même chose qu'on fait une coloscopie, je sais pas, tu vois. C'est fait pour ça, hein, les chaises et c'est... Qui, voilà. Eh bien, chaque fois que je sens épuisé, exténué, un petit diable peut nous chatouiller et nous amener
à ressurgir volcaniquement et friponnement. Ces petits diables sont parfois dans ce genre de verre. Vive les petits diablotins qui nous font entrer en éruption à tout moment. Vive les petits diablotins et les petites diablotines, car en voilà deux terribles Sylvie, compagne de flibuste idyllique de 40 ans, Lily Fourchette, la reine des marionnettistes coquines. Grande discussion discographique derrière nous. Je n'y connais rien. Mais j'apprécie a priori. Et puis nous avons Jean-Pierre qui surgit avec une amoureuse du tonnerre, Nathalie. Ah, le tricoteur. Le tricoteur, parce que. Et bien c'est un sacré tricoteur, il y avait des tricoteurs sous la commune, il y a aussi des satanés tricoteurs qui nous tricotent les côtes. Ton commandement de rien. C'est bien le vide aussi. Je voulais faire le vide, c'est pas mal. Je sais pas si je vais réussir à le voir peut-être d'une autre manière, là, le film de on parlait hier sur le rien. Bah oui, ça donnait envie ça, mais c'était merde, ce soir là, aussi. Ouais, t'as pas mis des choses. C'est mort. Mythique. Okay, mais c'est pas mythique, un serbe. C'est mythique, elle s'achève sur l'Orient. En fait, a priori, il a pris, je crois que j'ai pas de mémoire, il a pris des tours. Ton petit rat est avec toi. Je l'ai pas emmené, et j'étais bien déçu de faire ce que tu disais, toujours faire des photos de Bernard, pour des rats. Tu le Bernard et à Toulouse, parce que ça fait beaucoup rire tout ça, je sais pas comment m'emmener. Pourquoi tu n'as pas jamais Bernard? Tu vois, c'est pas... Mais c'est bien charpenté, quoi. Tu reportes des photos de Bernard à Toulouse. Croire que, voilà. Il aurait fallu déplacer l'intérêt général et sur Bernard et sur le marsupli de l'ami de Sylvie, qu'elle a oublié. Sa façon de laisser très proche du jazz. Il a oublié son Mars. Hein, il a oublié ton Mars. Mais oui, je l'ai oublié. Chaque fois, je le prends et je dors mal. Il faut savoir que quand j'ai rencontré Sylvie, très amoureux d'elle, je lui ai dit, que puisse t'offrir. Quoi que ce soit, je vais t'offrir. Ah oui, me dit-elle. Raconte ta suite. Mais ce n'est pas bien ce que je vais te demander. Je ne peux vraiment pas le demander. On ne peut quand même pas apporter des animaux exotiques. Alors il me regarde. Il me dit, dis-moi ce que tu veux. Et là-dessus, je lui dis, ben, marsupilami. Vivant, évidemment. Mais je ne m'appelle pas vivant. Et donc voilà, il m'a dit, mais tu es sérieuse. Il y a quand même des petits amis partout chez nous qui dorment avec nous d'ailleurs et dans tous les arbres, toutes les plantes. On a des marsupilami partout. Partout. Ça, à cause de la queue de 8 mètres. Notamment sa queue créancée qui bouge, qui prend, qui donne des coups de poing. On a aussi des chats qui font des grands cadeaux. Dernièrement pour mon anniversaire, le chat Moup Moup a surgi la nuit avec un mulot vivant entre les dents qu'il a lâché dans notre vie. Oh, ça c'est sympa, on chante pour joyeux anniversaire. Quand on appuie, on se fait avec. Ah oui, quand j'étais coupé. Et après, les chats sont pas super mélomanes alors que j'appuie pas pour qu'on voit des souris pour les faire chanter. Sais-tu que dans une rue de Toulouse, alors que nous allions voir ton spectacle dans ton rat et le côté héros, un rat m'a marché sur le pied. Oh. T'as fait un bel écart. Ouais, bah oui, tu l'étales, quand même un rat. C'est pas le même meilleur copain. Mais là, ça c'est Tu n'as pas pu faire comme dans un Laurel Hardy, lui marcher en retour sur la patte. Pourquoi le rat marcher? Il m'a rien fait, il m'a marché sur le pied, mais c'est. Oui, mais là, Laurel Hardy. On se fait bobo maladroitement, on rend le bobo. Mais n'oublie pas que Laurel Hardy était vendeur de pièges à rats.
tu sais, dans le Réalier Arthur, piège à rat. Tu sais, celui où ils sont dans un chalet de montagne, où ils ont cassé toute la vaisselle, ils sont obligés de faire la vaisselle pendant des jours et des jours, dans un chalet de montagne en Suisse, tu te souviens pas? C'est celui où ils sont poursuivis par un ours. Il y a un pont. Voilà, sur le fameux pont. Les montagnards sont là en France. Voilà, voilà. Non seulement par un ours, mais par un singe en Suisse, oui, sur un pont. Oui, c'est pour ça, l'Aurélie Hardy. Oui, oui, oui. À l'Aurélie et Hardy. Alors, à l'Aurélie et Hardy. À l'Aurélie Hardy. C'est moi, Lowell, c'est toi, Ali. C'est toi qui pédale, c'est moi qui conduis. Dans les tournants, je fais pipi. C'est toi qui t'as le pot, c'est moi qui le remplis. Et le lieu. Voilà. À partir de là, c'est le bonheur, elle est là. Bonjour monsieur l'épicier, qu'avez-vous donc à nous proposer? Oh les beaux artichauts, oh 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 oh, vous les mangez, faut se lever tôt. Elle est admirable. Eh bien, oui, elle est bonne. Nous ne faisions jamais de commission autrement que de cette manière. Et il s'est mis petit à petit à répondre en chantant. Ça ne rimait pas vraiment, vraiment, mais il chantait lui aussi. Quels que soient les autres clients. Je comprends avec... Non, je comprends avec... C'est pas Jacques Debout, je comprends avec... Le louche. Non, je sais plus. Ça, c'est encore un privilège de l'âge. Mélange absolument. Oh, de quoi ne te souviens-tu plus? Je sais plus. Mais merci d'être là. Donc on a organisé cette petite rencontre autour d'un événement du festival. Il y a quelques années, le festival avait 3 ans, je crois. On a décidé, parce que j'ai aperçu que l'esprit hollandais s'est
qualité du cinéma, mais on s'est aperçu aussi que les valeurs qu'on défend, la pertinence, la liberté, la famille, une version joyeuse de camarades de Noël, avec des formes, on pouvait prendre des formes tout à fait au cinéma. Les expositions, les concerts, évidemment, et la littérature. Et donc l'idée a germé dans le festival. En même temps qu'on remettrait des prix cinématographiques, de remettre un prix littéraire. Et donc c'est comme ça que tous les ans, depuis 4 ou 5 éditions, nous avons formé un jury. Et ce jury déclare un livre, livre pour l'année de l'année. Et on a même, depuis quelque temps, affiné la chose, puisque nous avons deux sélections maintenant, une sélection pour les fictions et une sélection pour le reste. Voilà. Le reste, c'est-à-dire les biographies, les livres de critique, les livres de philo, la bande dessinée, des recueils de photos, on n'en a pas eu pour l'instant, mais ça peut arriver. Tout livre publié, quel que soit son domaine, qu'il pourrait avoir avec l'esprit hollandais. Voilà. Donc le jury est composé de deux collèges, le collège des gens importants et le collège des pauvres. Les gens importants, ce sont Noël. Je dis par l'ordre, là, c'est pas l'ordre d'importance dans ce collège. Ils se démerderont un peu après. Mais Jean-Pierre, Noël, Jean-Marie Laclavetine, Patrick Fénal, qui les deux ne sont pas là pour des raisons de santé ou des raisons d'emploi du temps, ils ont voté par correspondance. C'est-à-dire qu'ils ont pris un autre visage, puisque nous avons là le nouveau Jean-Marc Lacavetti. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite... Et ensuite les ploucs, c'est-à-dire les membres de l'association à côté qui organisent le festival, Déborah, Manu, Françoise, Claire, voilà. Et donc cette année, on a sélectionné un certain nombre d'ouvrages, je crois qu'ils y sont quasiment tous là, presque tous, un certain nombre d'ouvrages. Nous nous sommes réunis à midi, on ne vous donnera pas le résultat puisque on va respecter la délibération, le secret de la délibération, et on dévoilera le résultat dimanche lors de la cérémonie de clôture qui a lieu à partir de 16h à l'ABC. Voilà. Donc, allez-y, parlez. Hein. Quoi dire d'autre ? Quoi dire d'autre ? Dans la première série dont j'ai parlé, qui est la série des essais, on a Oubli, qui est un roman graphique sur le WWI, qui est un syndicat anarcho-syndicaliste américain, qui a existé de la fin du 19e siècle. Je vois la tête de Jacques qui fait oui, jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui son importance est malheureusement moindre, mais qui a eu une importance considérable à la fois dans le mouvement social, mais dans le mouvement culturel, puisque un certain nombre d'acteurs de la contre-culture américaine et notamment de la Beat Generation se sont associés avec ces anarcho-syndicalistes pour publier des livres et un certain nombre de revues, de fanzines, d'expositions tout à fait subversives et innovantes qui ont eu lieu à Los Angeles se sont déroulées grâce au soutien des WWI. J'en parle rapidement et puis après on rentrera dans les détails. Après, on a un livre hors norme, je dirais pour nous. Hors norme, d'abord à cause de la personnalité de l'auteur, c'est Ciné. Ciné est quand même quelqu'un de très très important pour le FIFI. On a des liens très forts avec à la fois le personnage Ciné et puis avec le journal qu'il a créé, qui est Ciné Mensuel, qui est un partenaire important du FIFIGO. Et hors norme aussi par le travail qu'a réalisé la maison d'édition Les Cahiers Graphiques, puisque ce sont deux volumes magnifiquement illustrés, très très bien édités, et qui reprennent la totalité des mémoires de Ciné, qui ont été édités d'abord en fascicule par le journal Ciné Mensuel. Avec quelques inédits. Avec des inédits. Voilà.
il y avait un livre qui avait retenu toute mon attention. C'est Contribution à l'étude de nouveaux territoires libérés de Raoul Van Geem, qui est un livre, à mon avis, incontournable aujourd'hui, puisque c'est un livre qui dit comment, à partir des ZAD et des autres mouvements comme ça, on peut essayer de construire des territoires libérés de l'économie marchande. Malheureusement, pour nous, Raoul Van Geem a une rigueur intellectuelle et il essaye d'être conforme à ce qu'il pense, et donc il refuse les prix, il refuse les compétitions. Et donc il nous a gentiment répondu via Noël et Sylvie qu'il était très honoré que si le seul prix qu'il respectait à peu près c'était le nôtre, mais que malgré ça il ne souhaitait pas faire partie de la compétition. Donc on l'a permis et c'est tout à fait dommage. Ensuite, la petite histoire, il avait accepté d'être jury. Oui. J'allais dire ça aussi, il a accepté d'être jury dans la section cinématographique du FIFICOM il y a quelques années, mais il avait oublié que lui-même avait s'était laissé corrompre par nous à ce moment-là. Mais pour la petite histoire aussi, c'est la première fois que nous avons eu un membre du jury qui a refusé de voter pour les films. Quand il y a eu la réunion du jury, il a refusé de prendre part en disant que lui, cette option-là, il ne la retenait pas, et donc ça a joué, il n'a pas fait son travail de jury, mais qui a regardé les films. Je ne sais même pas s'il a donné son avis sur les films pendant la réunion. Et ensuite, un livre qui s'appelle « Les mémoires de Lenny Bruce », qui est là aussi un très très bon bouquin, un très très beau travail d'édition réalisé par les éditions Tripstram, qui est une maison d'édition gersoise. Ils sont basés à Auch. Ils font un boulot remarquable. Ils ont notamment republié dans des magnifiques traductions toute l'œuvre de Laurence Stern, les voyages de Tristram Shandy, les vies et opinions de Tristram Shandy, le voyage en Italie et le roman politique. Et ils ont réédité aussi Hollywood Babylone. Et là, ils ont édité les mémoires de Lenny Bruce. Lenny Bruce, comment dire ça, c'est le déproche américain des années 50. Ça comme ça. On peut le dire, et un long métrage lui a été consacré, que vous êtes peut-être farci, Lenny, par Bob Fosse. Voilà. Dustin Hoffman dans le rôle de Lenny. Donc ce mémoire de Lenny Bruce. Valérie Perry pour le rôle de la scriptiseuse qui l'avait épousé. Qui permet de. Voilà, il y a des passages corrosifs, des passages où il explique tous ses déboires avec la censure, avec le puritanisme américain. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et ensuite, donc, on passe à la fiction. J'ai oublié un livre. Un livre pareil. Aux éditions La Dilettante, qui s'appelle Natcha, de Alain Guyard. Alors Alain Guyard, c'est un philosophe, professeur de philosophie, qui n'a jamais enseigné la philosophie et qui a développé une pratique de la philosophie tout à fait marginale, c'est-à-dire qu'il a inventé le concept de ce qu'il appelle la philosophie foraine. Et il va faire des interventions de philosophie dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons, dans les maisons de retraite, etc. etc. Et je ne sais pas si on est une maison de retraite ou un hôpital psychiatrique ici, mais il a accepté de venir demain pour nous faire, ici, il sera à ma place, pour nous faire une intervention de philosophie foraine sur une thématique tout à fait intéressante dans l'époque où nous vivons, qui est la question philosophique, peut-on bourrer le mou comme on bourre les urnes? Voilà. Peut-on bourrer le mou comme on bourre les urnes? Voilà. Ne loupez surtout pas ça, il ne se la pète pas du tout. Ouais. C'est un merveilleux fouteur de mer. C'est le seul conférencier que je connaisse en philosophie qui, pour préparer son intervention, m'a demandé d'avoir une table avec un litre de vin, un verre et un petit bouchon. Voilà. C'est pour dire
sous quel genre d'hospice va se placer cette rencontre. Venez demain, c'est en fin d'après-midi. Je ne sais plus si c'est 18h30 ou 19h, je ne sais rien, regardez dans le programme. Mais demain, en fin d'après-midi, venez ici. Je pense que ça sera très instructif et à la fois très jouissif. Voilà. Mais quelqu'un veut prendre la suite peut-être ? Non. La pâte à pisser. Ah oui, oui, parce qu'il n'est pas là, voilà. Ah, c'est parce qu'il est... Il n'est pas là. Il n'est pas là, l'éditeur ne nous en a pas envoyé. Les presses du réel ont édité un livre d'Aleister Brocci, qui est une biographie d'Alfred Jarry. Un travail, là aussi, très beau travail d'édition, très beau livre avec beaucoup d'iconographie. Et travail remarquable parce qu'il a eu accès à des sources documentaires sur la vie de Jarry qui étaient tout à fait inédites, de la correspondance, etc. etc. Et le livre est construit d'une façon double, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre purement biographique et un chapitre qui s'intéresse à la pensée de Jarry et à l'œuvre de Jarry. Et on voit comment la pataphysique s'est construite d'abord dans la vie de Jarry, mais aussi par rapport aux idées. Et il y a notamment un chapitre passionnant qui raconte comment Jarry, élève de Bergson en classe préparatoire dans je ne sais plus quel lycée parisien, a commencé à penser à cette histoire de penser dans les marges, penser tout ce qui est l'à côté, et qui lui a donné l'idée de mettre en place le concept de pataphysique. Et donc tous ces chapitres-là nous permettent de voir comment l'œuvre de Jarry est tout à fait présente aujourd'hui et tout à fait importante. Et c'est nourri par des documents extraordinairement rares. Oui, par les cas. Donc ça c'est pour la partie biographique. Et après nous avons les fictions. Voilà, donc peut-être Jean-Pierre ou ma place. Ouais, Noël parle bien. Maître Noël, justement, je vais parler volontiers de celui-là, des mêmes que toi. Oui. Tandis que pour les fictions en question, nous écoutons Déborah. Je peux commencer par Saviano, parce que du coup, vous le connaissez, c'est l'auteur de Gomorra. On fait un commentaire après, juste qu'on les présente. Oui. De Gomorra, Jacques Barbéry, lui tu peux en parler. Oui. Alors Jacques Barbéry, c'est un auteur de science-fiction. Il a été un peu emblématique de la SF des années 70. Il écrivait, je pense, sous acide. C'était une écriture très, très délirante, très baroque, très foisonnante. Et là, il s'est remis à l'écriture depuis quelques années. Il édite des livres aux éditions La Volte. Et ça, c'est un livre à la façon Barbéry qui interroge les questions de l'identité notamment, et les questions de l'identité dans le temps. C'est sous forme à la fois de SF et de romans policiers. Il y a une intrigue, ça va très vite. Il y a des personnages caricaturaux de l'époque, de notre époque, mais qui s'insèrent parfaitement dans la fiction. C'est un très très beau livre. Bernet, un road trip un peu improbable avec une rencontre entre un tueur à gages qui est un peu une star et qui en fait se retrouve à être un peu poursuivi, et une femme qui représente vraiment la femme au foyer typique à cette période-là, et une rencontre improbable et un road trip assez étonnant parce que je l'ai trouvé surprenant. Enfin, voilà. Nous avons ensuite vous vous souvenez des feuilletons du 19e siècle et des romanciers qui écrivaient des aventures qui étaient publiées dans les journaux et qui, d'épisode en épisode, racontaient des histoires tout à fait rocambolesques, à la Monte Cristo, etc.
ouais, Maurice Leblanc, etc. etc. Rocambole, etc. Et Jean-Bernard Pouille, qui est le lauréat de notre dernier prix de culture, de littérature hollandaise, avec le roman Mazad, qui vient d'être édité en livre de poche que vous trouverez à la librairie, et Patrick Vénal, qui est membre de notre jury, ont décidé de relever cette tradition littéraire et ils nous présentent un feuilleton, une histoire avec de multiples épisodes qui se passe aujourd'hui, qui est sur base d'intrigues politiques, d'intrigues administratives, géopolitiques, si vous voulez tout savoir sur les paradis fiscaux, le trafic de drogue, etc. et autres joyeusetés qui nous pourrissent l'univers, vous aurez une dénonciation de tous ces phénomènes de façon très ludique et très agréable à lire, donc c'est un bon bouquin aussi. Ça m'a accroché de bout en bout et je ne suis pas très porté sur ce genre de captivant. Le discours de Fab Caro, l'auteur de Zai Zai Zai, la situation c'est un repas de famille, on n'en sort pas, mais c'est très drôle et on rit vraiment en lisant, ce qui est, on rit de façon sonore en lisant, ce qui est assez rare. Si vous voulez avoir la confirmation de quelque chose de débile, démontrer que tu es le nouveau Jérôme Garcin. Oui, c'est ça. Alors que nous avons là la nouvelle Laure Adler. Jérôme Garcin. Est-ce que je suis le mieux placé pour parler de l'émission? Non. Oui, oui. Non, non, non. Manu l'adore. Vous deux. Manu, présente-le toi et ensuite il reste le milliardé aussi. Alors, c'est un patronyme, mais tout le monde est. Et demande aux élus du pays d'écrire un discours du mariage de la tribu. Il faut savoir qu'il est préoccupé parce que sa petite amie qui a demandé une cause affective vient de lui envoyer un SMS et pendant tout ce repas, premier temps, il va chercher, il attend la réponse. Et il va faire plusieurs essais de discipline. Franchement, je vous conseille parce que c'est d'un drôle. Mais du coup, j'ai dit, je ne suis pas la seule, mais pratiquement à chaque moment, si vous allez passer un moment pour détendre les rôles, je vous conseille ce livre, comme je vous en conseille. Il a fait rire tous les membres de notre jury, sauf deux. Je rajouterai pour présenter l'auteur, que Fabrice Caro, certains d'entre vous le connaissent peut-être, parce qu'il est plus connu sous son pseudonyme de Fab Caro, et il a fait des recueils de bande dessinée, donc un qui s'appelle Zai Zai Zai, qui est pareil, qui est basé sur l'humour, sur le burlesque, enfin, c'est de l'excellente bande dessinée, et on retrouve cette veine-là dans le roman. Un livre, un roman policier, qui aurait pu être en série noire. On a parlé des voitures. Si, non. Si. Si. Ah bon? Nous, on suit. Stone Burner. C'est aussi lequel? Ça fait tous les archétypes, les stéréotypes. Tu peux nous parler en français? Oui, il veut parler. En dérision, en le traitant avec un humour à la fois extrêmement efficace. Toutes les situations sont à la fois très attendues et traitées de façon inattendue. C'est assez déconcertant. Moi j'aime bien. Tout c'est sympathique en diable. Les personnages sont extrêmement attachants. Ce sont à la fois des has-beens, des sans-espoir. Et des gens extrêmement positifs qui ne se laissent pas porter par ce qu'ils font du destin, ils réagissent, ils agissent, ils se battent. Je crois que l'écriture est extrêmement importante. Je pourrais vous dire qu'il apprend
complètement formulé le chicanon, c'est-à-dire de stéréotypes. Et là, je suis d'accord avec toi. La plante fatale, le privé, le truc, il les a complètement régénérés. Et surtout, l'écriture, la. Voilà. Comme tu dis, on a l'impression que le personnage est actuel. Et surtout au niveau de son écriture, elle est précise, rapide, elle est vraiment pour moi au scalpel. Et c'est pour moi, c'est une œuvre que je pense. C'est de la littérature sans gras. Voilà. C'est au contraire de la littérature gras du bip, c'est pas l'essentiel. Voilà le tour de table sur la sélection. Vous avez, Maintenant, si vous voulez connaître le lauréat, oui. Pressez la patte. Voilà. On attendra. Pendant toute l'année, nous regardons un peu ceux qui sont publiés. On se les indique. Ouais. On se transmet les livres, on les lit, et si on est d'accord pour le garder dans la sélection, on construit la sélection de cette façon-là. Moi, je trouve ça super cool parce que ça nous donne des idées de lecture. Ouais. Et voilà quoi, c'est vachement agréable, c'est super, c'est très bien, merci. Moi je suis d'accord. Mais je pense que dans l'idée même du festival, de ce festival, du FIFIGO, il y a une idée à la base qu'on pourrait résumer par le fait qu'il ne faut pas confondre être sérieux et se prendre au sérieux. Voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut... On peut déconner, on peut picoler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même quelque chose de fort qui est de l'ordre de la réflexion, de la pensée, vers essayer de sortir un peu du carcan, des carcans qui nous enserrent. Et c'est pour ça que les livres sur lesquels nous avons découvert, en particulier dans la section études et essais, mais également dans les romans, parce que ces romans américains, notamment du Appalache, ou même celui-là, montrent bien que la société américaine essaye de faire croire aux gens qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont nés à un endroit, qu'ils vont vivre ce qui a été déterminé et tout. Et les mecs se battent avec la violence, avec la drogue ou autre, avec simplement comme objectif d'essayer de sortir de ça et d'essayer d'aller vers autre chose. Et c'est important que nous, on s'inscrive aussi dans cette démarche. C'est pour ça que le FIFIGO, on arrive à faire à la fois de la burlesque, de la farce, du festif, de l'éthylique, mais aussi programmer un film sur le monde et le mouvement surréaliste, rendre hommage comme on le fait tous les ans à un mouvement d'avant-garde. On a parlé des situationnistes, on a parlé du mouvement panique, on a parlé de la banalise, tous ces mouvements-là qui, de l'histoire des idées du XXe siècle, ont essayé de faire en sorte qu'il y ait autre chose que ce qu'on présente comme le réel et qui est en fait une facette de la réalité. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est, pour nous il était important, mais ça s'est imposé comme ça, mais c'est dans la logique même du festival, y compris dans les expositions. Non mais c'est Gio qui a caricaturé, il me dit déjà il n'arrive pas à le faire. Ah bon? Ça lui fout les boules d'ailleurs. C'est vrai? Il n'arrive pas. Bah je sais pas, justement en plus ça me caricature. Franchement, là il me dit, je suis carrément dans la... Je suis désolé. Bah oui, mais ton médecin préféré. Bah casse-toi alors. Il vient me coller, j'aime pas quand tu me colles comme ça. Regarde. Carrément, bouge pas. Ok, je ne bouge plus. Bouge pas, je crois que là dans l'œil. Regarde. C'est un peu une sorte, c'est un peu un magnifique.
Mais j'aime bien quand ils vont justement dans les trucs hyper fatigués. C'est l'œil de Moscou là. Je m'ennuie à mon pays. Non, parce que si le cours, le bruit court que. Ah oui, c'est vrai. Oui, on est embêté sur les réseaux sociaux. Bon. Oui, mais bon, on n'avait pas l'avance. Et à quelle heure il le lui faut C'est des LED ça. Ouais, ça veut dire que ça te crame les. Voilà. Cathy, elle te dit bonjour. La dame, elle te dit bonjour. J'ai vu tes photos, Cathy. Ah ouais? Elle est là.
Quand il parle de moi, il va leur parler, mais c'est quand même... Ah, c'est pire. Et là, on a réussi à l'étonner. C'était avant le coup de c'était encore plus tôt. Présenter un film, c'est sûr que c'est la région natale d'Albanc. Ah mais oui, c'est la terre de la folie, non? La terre ouais, de la terre de la folie. Discussion pour le pour l'attribution du prix. C'était pas notre prix préféré. Ça donnait le prix. Une très belle réplique de Nous irons à Paris, si vous vous rappelez. Les malandrins qui ont une station pirate sont au bistrot. Sur une terrasse, le garçon arrive et leur dit « Que voulez-vous ? Vous voulez reprendre quelque chose ?»« Oui, disent-ils, nous allons reprendre le maquis. » Tu connais l'histoire de Nous irons à Paris ? Tu la connais l'histoire du film ? Non, le film. Non, parce que c'est très particulier. C'est un film de quelle année ? 1950. Et donc c'est un film où ce sont des jeunes qui créent une radio privée. À l'époque, plus de 30 ans avant les premières radios privées officielles. Radio pirate. Oui, évidemment, parce que RTL et Europe étaient privées. Avec un côté radio crochet, non C'était produit par Réveil Ventura. C'est ça, il y avait Ventura, mais il y avait le côté radio crochet dans le film. Parce que Réveil Ventura. Par contre, nous avons la Peter Sister. Même le soir, hein. Oui. Après, moi, j'ai fini cette fin. Parce que Ray Ventura a l'un des rôles principaux de Nous irons à Monte Carlo. Lui qui l'a produit également. Voilà, oui, oui. Et qui était le neveu de Ray Ventura. L'oncle de Sacha Distel. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Jean-Pierre. Et je te signale qu'il a coproduit et veut créer la femme. Son nom n'est pas du générique. Ah oui, oui. Et Nous irons à Monte Carlo est le premier rôle d'Audrey Hepburn. Ah oui, Audrey Hepburn, bien sûr. Alors c'est un film en deux versions, une version française et une version anglaise. Et donc, dans la version anglaise, qui a vu la version anglaise ? Personne ne l'a vu. Je pense qu'Audrey Hepburn avait... Elle n'a jamais été exploitée. Je pense qu'elle avait un rôle plus important. Elle avait peut-être un rôle plus important. Elle n'a jamais été exploitée, pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ont tourné la version anglaise. À ma connaissance. On parlait de Jean Boyer au rêve qu'un. Ah, voilà. Lui s'est rendu. Tu le connais un peu ? Ah oui. Alors là. Il y a un film de Dick, tu vois, quoi, j'avais cette fille. Ah oui, je connais ce film. Évidemment, la fin, il y a une fosse lesbienne pour sauvegarder la morale. Ouais. C'est un éloge de l'inceste. C'est pas vrai. Un mec qui se tape 7 jeunes gonzesses, ils sont tous persuadés que c'est leur père. Et leur père, c'est Maurice Chevalier. C'est pas vrai. Mais de quand ça date Années 40, je dirais. Non c'est années 40, non 50 Ouais. Mais j'ai eu l'occasion de le montrer quand Ciné Classique m'a accordé une carte blanche. C'était
un de mes 8 films, donc hommage aux comédies corrosives. C'était un de mes 8 films. Ah ouais? J'avais 7 films. Est-ce qu'il y avait les 3 Stours contre Hercule? Non. Nous adorons le film, évidemment, comme tous les 3 Stours. Jean-Pierre. Contre Hercule, dont parlait. Oui. D'Edward Burns. Qui était le Jean de Mowart. Le Jean de Mowart de Stouge. Gus Van Sant décroche à Cannes la Palme d'Or avec Elephant, comme vous le savez, et il rentre, il prend le train pour Paris avec sa palme, il est tout seul. Et le train est assez bondé et il a très soif. Il se rend à la voiture bar, il y a beaucoup de monde. Or, il a faim, il a soif, il n'en peut plus. Il fait la file, ça n'avance pas. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Alors, il sort de sa gibecière, sa palme qu'il a avec. Il le met sur le zinc du bar pour avoir sa petite chance. Et le barman de s'écrier. Et tu crois réellement que tu vas m'impressionner avec ton cul de lampe, tocard ? Authentique. Comme quoi, ça sert pas, les palmes d'or. Ça sert pas. Ils ne sont pas loin d'ici, si, oui. Ils arrivent donc. Ils devraient arriver, oui. Alors, si vous avez des questions, des remarques, tout ce que vous voulez dire, c'est le moment. Il n'y a pas de mauvaise question, je le savais. C'est la digestion. Alors comment ça s'est passé au niveau du travail, au niveau de la... Assez bien. Ouais. Bon, ben voilà, vous allez nous le dire. Ça s'est passé assez bien, hein. Ah oui, 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 très bien. Bon. Ça vous a plu? Oui. Ouais, c'est bien. Et vous, ça vous a plu? Mais le tournage du film s'est bien passé, donc... Très bien. Et l'accueil est fantastique. Vous vous distribuez comment? Distribue comment? On est un distributeur. Ouais. D'accord. Oui, non, mais des fois c'est pas toujours le cas. Hein. Non, mais Amor a la chance d'avoir un distributeur. Celui que j'ai fait avant, non. Ouais. J'ai dû l'envoyer un peu partout tout seul, mais là, je ne fais rien. C'est ce qui est bien. Et ça marche? Ben ouais. La saison vient d'ouvrir et le premier du festival, c'est Fifi Gros et il est là. J'espère. Ouais, pas espérer. Et comment dans cette salle l'a-t-on trouvé, enfin, votre film? Oui, mais ils osent pas tous les films. Il y a une petite main qui doit vous concerner, là. Car s'il y avait des allusions à Action Directe dans ce film, Jean-Marc, à ce moment, pouvait être recatapulté en tôle aussitôt. Dès lors, plus d'allusions à cette période de sa vie, plus d'allusions réelles aux entartements chantilly de salopards. Et nous sommes devenus, et Jean-Marc et moi, des personnages de poético-romanesque de Jean Rimonier, on avait l'impression de se retrouver dans un film polonais des années 60. Et heureusement, celui que vous venez de voir, ben c'est un peu plus nous, c'est plus pimenté, c'est plus rentre-dedans, on aime mieux, on se reconnaît là-dedans. Êtes-vous d'accord? Oui. Qui avait vu le premier film?
Ah, une belle main se lève par là. Vous pouvez réagir. Avez-vous préféré le second ou pas? De toute façon, ah, sans mes lentilles de contact, je vois. Je n'aperçois pas très bien. Si, j'ai l'impression qu'il y a une voluptueuse sirène qui est là. Mais qu'importe, avez-vous été content tout bonnement de voir ça? De voir le leur, de voir le nôtre? Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Quels sont les projets à venir? Il y en a? Oui, bien sûr. On ne s'arrête jamais. Ouais. Bon. C'est en secret. Non, c'est en maturation. Bon. Il faut parler de quoi ça mature. Faut laisser. Et la même chose aussi. La même chose, bon, d'accord. Dans la même lignée, mais pareil, c'est au stade où on ne peut pas trop en parler. Mmh. Et de notre côté, nous allons tout faire pour nous farcir Macron. Voilà. Et dans l'actualité de Noël Godin, je crois qu'il y a un tournage prochain avec Yann Bucquoy. Ah, l'extraordinaire cinéaste belge Yann Bucquoy, à qui on doit la série La vie sexuelle des Belges. Il remet ça, il tourne le volet numéro 7 dans les mois qui vont arriver. Et j'y incarne Bernard-Henri Lévy belge, Pierre Mertens, ce qui est une catastrophe pour lui. Tu vas être magnifique. Mais merci Jacques, je vais veiller à tant canailler dans le film en question coûte que coûte. Bon. Alors n'oublions pas aussi que Noël Godin a été un comparse à plusieurs reprises de Jean-Pierre Mocky. Oui, tout à fait. Je me suis retrouvé quelques apparitions. Dans un de ses films, il était beaucoup plus impossible qu'on ne peut l'imaginer. Il ne disait pas, comme on l'a montré, seulement, j'essaie de me rappeler ce que je voulais dire. Ah, il ne disait pas moteur, moteur, seulement avant que le tournage ne commence. Il disait moteur, moteur, quand il n'y avait pas encore le moindre acteur. Il était incroyablement déviant sur tous les plans. Par exemple, je me rappelle. Vas-y. Je me rappelle qu'une guêpe, tout d'un coup, avait joué un tour à l'illustre opérateur du film et que qu'on avait voulu amener à l'infirmerie et moi qui disais non, non, plus tard, plus tard. Bien. Bon. Comme on dit, s'il n'y a plus rien. Ah si, si, il y a toujours quelque chose. Vous avez reconnu au rythme des voix, vous avez pu distinguer ceux qui avaient bu un petit coup de trop il y a quelques moments et ceux qui avaient été plus ou moins sobres durant le repas pour être bien convenables devant vous. Bien. Écoutez, s'il n'y a... Oui, ah. Il y en a. Ouais. Il y en a un, deux dans le film, le reste, c'est, ils sont comédiens de métier. Lesquels sont comédiens de métier, lesquels ne le sont pas? Alors, les trois acteurs principaux sont comédiens de métier. L'une d'entre elles est ma femme. C'est pour vous dire que je respecte beaucoup ce métier. Et puis ouais, tout le reste, ce sont des vrais comédiens. Hein. Les trois. Trois personnages qu'on découvre au bar dans la deuxième séquence sont des vrais comédiens, même s'ils n'ont pas vraiment de dialogue. Les lignes ont été données, sauf les moments où on voit vraiment qu'ils parlent absolument de la Lune. Là, c'est des choses assez écrites. Mais sinon, non, c'est vraiment orienté, dirigé très, très légèrement pour pouvoir les laisser parler et s'exprimer. Exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, leur détachement
Alors Cocon aussi, la lune étant un artifice facile pour pouvoir accéder à ces histoires-là. Donc il y a vraiment très peu de scènes écrites, et c'est juste très, très légèrement dirigé, et très bien dirigé. D'autres réactions? Non. Bon, écoutez, on va remercier encore. Et Gérard Courant, dont je vous invite à aller voir les cinématons, vous remercie à tous d'être venus et vous souhaitez une bonne fin d'après-midi et une continuation. Le Fifigro continue jusqu'à demain. Merci beaucoup. Gloup, gloup, gloup. Bonne voile. Ouais, c'est fini. Une demi-heure après toi. Par Henri Michaud, a été publié pour la première fois en 1948 dans la collection Point du Jour. Puis, il apparut l'année suivante dans le recueil La vie dans les plis, entre les sections Apparition et Lieux inexprimables. Les Mendozem sont des créatures hybrides, aux traits indéterminés, qui n'arrivent pas à changer leur situation apparemment insoluble, ni à trouver une identité définie. Un air dancer est un tube de matière textile de forme vaguement humanoïde, maintenu gonflé à l'aide d'un ventilateur fixé à sa base. Les air dancers sont couramment utilisés comme dispositifs publicitaires et dans les événements festifs. Les air dancers ont été inventés d'après une idée originale de l'artiste Peter Minshall, qui a été concrétisée par l'artiste Doron Gazit pour les Jeux Olympiques d'été de 1996. Too Unlimited est un groupe d'eurodance belge, originaire d'Amsterdam. Actif au début des années 1990, représentatif de la vague eurodance de l'époque. En France, c'est essentiellement le titre « No Limit » qui révèle le groupe. Ce tube se classe numéro 1 au top 50 pendant 5 semaines, durant le printemps 1993. D'ailleurs, comme toutes les Meidosam, elle ne rêve que d'entrer au palais de confetti. Quatre lances enchevêtrées peuvent-elles composer un être? Oui, un Meidozem. Un Meidozem souffrant, un Meidozem qui ne sait plus où se mettre, qui ne sait plus comment faire face, qui ne sait plus comment être qu'un Meidozem. Ils ont détruit son 1, mais il n'est pas encore battu. Les lances qui doivent lui servir utilement contre tant d'ennemis, il se les est passées d'abord à travers le cœur. Mais il n'est pas encore battu.
prennent la forme de bulles pour rêver. Ils prennent la forme de lianes pour s'émouvoir. Appuyés contre un mur du reste que personne ne reverra jamais, une forme faite d'une corde longue est là. Elles sont lasses. C'est tout. C'est une méidosème. Et elle attend, légèrement affaissée, mais bien moins que n'importe quel cordage de sa dimension appuyé sur lui-même. Elle attend. Journée. Année. Venez maintenant. Elle attend. L'élasticité extrême des méidosèmes est là la source de leur jouissance, de leur malheur aussi. Quelques ballots tombés d'une charrette, un fil de fer qui pendit, une éponge qui boit et presque pleine. Regardez, regardez bien. Peut-être est-ce un méidosème, peut-être sont-ils tous des méidosèmes saisis, piqués, gonflés, durcis par des sentiments divers. Ce troupeau qui vient là comme des pachydermes lents avançant à la file, leur masse est et n'est pas. Qu'en ferait-il ? Comment la porterait-il, cette lourdeur, cette démarche ankylosée, n'est qu'un parti qu'ils ont pris pour échapper à leur légèreté qui les épouvante à la longue. Et va le cortège des énormes baudruches qui essaient de s'en faire accroire. Sur ses longues jambes fines et incurvées, grande, gracieuse méidosème, rêve de course victorieuse, âme à regret et projet, âme pour tout dire, et elle s'élance, éperdue, dans un espace qui la boit, sans s'y intéresser. Sur ses longues jambes fines et incurvées, grande, gracieuse méidosème, rêve de course victorieuse, âme à regret, projet, âme pour tout dire, et elle s'élance, éperdue, dans un espace qui la boit sans s'y intéresser. Et voilà ces profils méidosèmes, concaves par-dessus tout, concaves attristés mais pas larmoyants, pas d'accord pour le dur, pas d'accord pour les larmes, pas d'accord. On ne les a jamais contre-aperçus, les méidosèmes.
Le voilà qui file comme un obus, vitesse que l'œil ne peut suivre. Qu'y arrivera-t-il? Qu'il se rompra en 100 morceaux à l'arrivée, à coup sûr et dans le sang. Oh non, il n'est même pas parti. Il n'est parti que de sa marche d'âme. Une gale d'étincelles démange un crâne douloureux. C'est un Meidosem. C'est une peine qui court. C'est une fuite qui roule. C'est l'estropié de l'air qui s'agite et perdu. Ne va-t-on pas pouvoir l'aider? Non. En pleine perte de substance si tu continues. Très peu soutenu. Toujours très peu soutenu. Les voilà encore. Leurs colonnes de vertèbres, sont-ce même des vertèbres, transparaissent sous l'ectoplasme de leur être. Ils ne devraient pas aller loin. Si, ils iront loin. Vissés à leur faible, en quelque sorte fort par là. Et même presque invincible. No.
tu peux annoncer que le film de Manré va commencer. Ah super, vous avez attendu? Oui, oui. Ah génial. Ouais. Et à quelle heure il le lui faut à Benoui? Non. Thank you.